And now, something completely different. Chères clientes, chers clients, bienvenue à vous. Pour cette première vente de la saison, nos pêcheurs ont eu la magnifique idée de vous ramener une cargaison importante de poissons. Comme vous le savez sûrement, et pour ne rien changer à nos habitudes, Louis, ces poissons sont rares et remplis de bière. Manque de putain de poissons, comment c'est possible? J'en sais rien, mec. Très bien. Nous allons maintenant pouvoir procéder à la vente du premier paquet composé de 2 francs combattants. Je répète, 2 francs combattants. Ces poissons sont connus pour avoir une vitesse extraordinaire. De plus, tous les plus grands spécialistes sont d'accord pour dire que le franc combattant est fortement recommandé pour les personnes souffrant de fatigue chronique. Et plus pour celles et ceux qui s'endorment durant l'acte sexuel. La vente commence à 5000 francs. Sept mille une fois. 7000 deux fois. 9500. Ah, 9500 une fois. 9500 deux fois. Trois fois. Adjugé pour monsieur. Bon, dans le deuxième paquet, il y a 3 Stomias Cicatrum. Je répète, 3 Stomias Cicatrum. Ils ont la particularité d'accélérer le processus de cicatrisation. Passons à la démonstration. Son prix de vente est de 11 000 francs. 11 000 francs? C'est trop cher, vous avez pas l'impression de vous foutre de notre gueule, là? Il y en a quand même pas 10 500 pour acheter vos poissons, c'est dégueulasse. Mais toi, je vais t'en... Tu te fous de ma gueule ou quoi? Comment ça, je me fous de ta gueule? 11 000, c'est beaucoup trop. Bien sûr qu'on reste à 11 000. On baisse à 9 000. Mais c'est peu. 9 000, un point, c'est tout. Mais non, mais c'est... Chouin. Bon, on s'est concerté avec mon collègue et on est d'accord, c'est un peu cher pour vous. On passe à 9500. 9800. 9008 une fois. 9008 deux fois. 9008 trois fois. Le poisson est pour vous. Nous arrivons à la fin de la vente. Rendez-vous dans 2 mois. Il est où, Abraham? Harold Jesse. Il est où, Abraham?
Ça va, je l'ai pas vu plus ce matin, moi. Putain, quel abruti. Oh. Il réalise que c'est pas pro. Ça donne une mauvaise image de la boîte. Je sais où il est. Reste avec elle. Et c'est son premier jour en plus. Je te rappelle que les pêcheurs doivent être dans 30 minutes au port. En tout cas, je pourrais pas dire que je vous ai pas prévenu. Sérieusement, Abraham, tout le monde te cherche dans la salle. Et toi, tu pleures dans les vestiaires. C'est une blague. Mec, c'est vraiment pas mon délire, désolé. Pourquoi j'ai choisi ce taf? J'y connais rien, moi, en poisson. Pourquoi vous m'avez pas dit avant? Mais t'as lu le guide? Tout est expliqué dedans. Et quoi ou quoi? Bien sûr, je l'ai lu, mais... Bon, c'est pas grave. On n'a pas le temps pour ça. Allez, allez, on y va maintenant. Je t'explique. C'est sur les pêcheurs que repose notre succès. Ce qu'il y a d'incroyable avec eux, c'est qu'ils mettent leur vie en danger pour nous. Ils prennent tous les risques pour amener le meilleur poisson. Un des pêcheurs avec qui tu seras a entendu parler d'une zone où on peut trouver de l'absentiel. D'ailleurs, on a déjà un acheteur potentiel. Vous avez rendez-vous au port Indigo. C'est quoi un absentiel? Un absentiel? Une seule bouchée de ce poisson bien cuit et paf, tu deviens invisible. Imagine le prix auquel on pourrait le vendre. Et encore, c'est même pas le plus prestigieux. La zone a été repérée à 30 km d'ici, mais notre licence nous interdit de dépasser les 20 km. La carte que tu as dans les mains, c'est l'itinéraire pour ne pas se faire repérer. Bon, écoute, Abraham, on oublie ce qui s'est passé ce matin aux échelles. Là, c'est un autre niveau et on a besoin de toutes tes compétences. Alors dis-moi si t'es pas prêt pour le boulot. Et dis-le-moi maintenant que je te mette ailleurs. Pas vu la vente aux enchères. Tu faisais quoi? Ah, désolé, j'étais malade. Excuse. Tu peux pas nous prévenir? Désolé. Il nous a manqué un front combattant et un absentia. Tu sais quelque chose? Attends, assigne-toi là. Tu verras ici, tu vas te plaire. Hein. Regarde. Écoute ce qu'on te dit, observe, apprends, et tu verras, tout va bien se passer. Ouais, j'espère. En tout cas, je comprends pas trop ce guide. Ouais. Et sinon, t'as la carte? La carte? Ouais, la carte. Quelle carte? Bah, la carte pour aller pêcher les absentia. J'ai vu, te la donner juste avant. T'as pas la carte? Il a pas la carte. Mais mec, c'est ton premier jour, mais. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu... Mais il a pas la carte. Quelle carte? Mais la carte pour aller pêcher les absentia. Il a pas la carte. Bref, pas grave.